Ouais, je vais commencer. Ouais. Bonjour, je suis Lénaïk et je suis étudiante en master culture à l'ESQA. Bonjour, je suis Mathilde Janano et je suis étudiante entrepreneur. Bonjour, je suis Outra et je suis étudiante en master événementiel. Bonjour, je suis Arthur et je suis actuellement étudiant en deuxième année de tourisme et loisirs à l'ESQA. Bonjour, je suis Alicia, j'ai 27 ans et je suis étudiante en Master 1 Direction de Projet et d'Établissement Culturel à l'ESTUA. J'ai choisi de me former à l'ESTUA car c'est une école reconnue et renommée en France et à l'étranger. J'ai choisi de me former à l'ESTUA car ici on propose des formations de qualité qui sont reconnues à l'international. J'ai choisi de me former à l'ESTUA car cette formation correspond à mon futur projet professionnel. À l'ESTUA, j'aime beaucoup les professeurs, les intervenants et aussi l'ambiance pendant les cours. À l'ESTUA, j'aime le fait que les bâtiments sont récents, la proximité avec les professeurs et son grand réseau d'entreprises. À l'ESTUA, j'aime donc du coup les cours qui nous sont proposés, mais également le corps enseignant qui est très présent pour nous. C'est ce qui va justement permettre aux étudiants d'avoir accès à certains outils, à certaines ressources. La taxe d'apprentissage, c'est... je ne sais pas trop. On a regardé sur Internet, mais on ne sait toujours pas trop. La taxe d'apprentissage, c'est le fait que les entreprises peuvent nous aider à avancer dans nos projets professionnels et à aider à financer les ESTUA. La taxe d'apprentissage, c'est donc une taxe pour vous, les entreprises, qui va nous permettre du coup de financer certaines choses à l'université. Grâce à la taxe d'apprentissage, je peux avoir accès à des dispositifs d'entrepreneuriat. Grâce à la taxe d'apprentissage, je pense que je peux déjà avoir accès à certains logiciels pro et aussi de pouvoir bénéficier de la présence des intervenants. Qui contribue énormément à notre professionnalisation. Grâce à la taxe d'apprentissage, je peux bénéficier d'un forum des métiers qui me permet d'éventuellement de trouver des stages. Grâce à la taxe d'apprentissage, nous avons accès du coup au logiciel Adobe qui coûte sacrément cher pour un étudiant et ça me permet donc d'être autonome et d'apprendre des choses pour mon futur professionnel. Alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire, soutenez-nous grâce à la taxe d'apprentissage pour nos projets professionnels. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire, choisissez-nous. Alors, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, merci de continuer à verser votre taxe à l'ESTUA pour notre bien-être, nous étudiants. Alors, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Merci, à bientôt.